Premier petit clin d'œil, j'espère que vous aurez remarqué. Nous avons fait le lancement de campagne au parc Raymond et Rassaré. On présente la liste au parc Chastelain. Bon, le clin d'œil est un peu gros, mais ça montre qu'on y va pour la gagne, que notre liste y va pour la gagne et qu'on veut remettre un maire de gauche à la mairie de Tarbes. Ça fait assez longtemps que c'est pas arrivé, que ça manque au Tarbes, me semble-t-il. Donc notre liste, 43 noms bien évidemment. Comme vous savez, pour ces élections, nous avons la possibilité de rajouter deux suppléants, 44 et 45, donc on a une liste de 45 noms. Pour la place des deux suppléants, on a choisi deux personnes un peu symboliques. Donc symbolique pour notre liste. Hein. En 45e position, on va trouver donc Gilbert Garot qui est un ancien maire adjoint aux affaires culturelles, qui a été élu sous les municipalités de Chastelain et des Rassarais. Donc voilà, on continue dans le clin d'œil. Et en 44e position, Élise Boutor. Alors Élise Boutor, ça va être assez dur de résumer parce qu'elle a un CV qui est long comme le bras. C'est une dame de 91 ans.